Salut à toutes et à tous et de retour pour la seconde vidéo des énigmes. Eh bien, c'est parti, générique. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé la solution. En tout cas, il y en a certains qui l'ont trouvé et bravo pour eux. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, je vous la donne tout de suite. Souvenez-vous bien, deux boîtes, un des rouges, un des verts pour le prisonnier. Alors qu'en fait le directeur et le commissaire ont mis deux dés rouges. Donc forcément, dans la logique des choses, le prisonnier ne peut pas être libéré. Et pourtant, il l'est. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il a ouvert la première boîte en disant « ça c'est la boîte que je ne prends pas ». Voyant le dé rouge, logiquement, pour tout le monde, le dé vert est dans l'autre boîte. Comme le directeur et le commissaire ne veulent pas se dénoncer, eh bien ils ont tout simplement laissez partir le tricheur. Allez, nouvelle énigme. Alors c'est un très vieil homme qui vit dans un très vieux manoir, un très très beau manoir. Il a une fortune colossale et il est extrêmement malade. Il a à son service trois médecins. S'il meurt, eh bien la fortune ira au médecin. Un matin, il appelle le premier médecin et lui demande de le guérir. Le médecin lui répond qu'il n'a pas encore l'antidote, il ne sait pas comment faire. Il fait venir le second médecin qui aussi lui dit « Je suis désolé, mais je n'ai pas l'antidote. » Il appelle le troisième médecin qui arrive et lui dit « Moi, j'ai l'antidote. » Seulement, ce médecin-là va l'empoisonner. Quand le vieil homme s'aperçoit qu'il est en train de mourir, il prend son téléphone, il téléphone à la police et il a juste le temps de dire au commissaire « C'est lui qui m'a tué. » Puis il meurt. Quand le commissaire arrive sur place, il se met face aux trois médecins et il dit au coupable « C'est vous qui l'avez tué. » Comment est-ce possible? Alors voici pour cette nouvelle énigme. Donc comme je vous l'ai dit, vous vous souvenez le système. Vous allez sur ma page Facebook Fan, un petit MP, vous me dites c'est bon, j'ai trouvé. Et vous pouvez mettre par contre dans les commentaires de la vidéo que vous avez trouvé, mais sans expliquer. Ok? Très bien. N'oubliez pas évidemment de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager et bien sûr de vous abonner, ça vous connaissez. Et activez la petite cloche pour être prévenu aussi des nouvelles vidéos qui arrivent. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.